Bale quitte le Real, revient à sa maison, revient à Tottenham avec José Mourinho. Que faut-il retenir de son passage du Real? Une réussite ou pas? A-t-il encore un avenir dans le foot? C'est le sujet de cette vidéo. OneFootball est le partenaire de cette vidéo. Statistiques, on en parlera après. Composition de match, alerte but, vous ne pouvez pas mater le match de votre équipe. Vous pouvez suivre les buts via OneFootball. Application ultra complète, gratuite, le lien est dans la description. Ça me fait quelque chose quand même le départ de Bale. C'était sur les 10 dernières années, donc après l'ère Ronaldo, après l'arrivée de Ronaldo, c'était le joueur que je voulais le plus du côté du Real. Vous savez, je suis fan de Première Ligue. J'ai beaucoup suivi à l'époque Tottenham avec donc Gareth Bale qui avait été élu pendant 2 années d'affilée meilleur joueur de Première Ligue. Meilleur joueur de Première Ligue dans un club qui n'était pas dans le top 4 en Angleterre. C'est dire, ses performances étaient lunaires. Et à l'époque, un certain Zinedine Zidane, qui n'était pas encore entraîneur, voulait que Florentino Pérez achète Gareth Bale. Mourinho, on l'a su récemment, voulait faire venir Gareth Bale aussi pour concurrencer le Barça qui à l'époque était en train de construire une attaque tonitruante avec Messi, Suarez et Neymar, la fameuse MSN. Le Real avait répondu avec la BBC, donc Benzema, Bale et Cristiano. Et donc son arrivée était pour moi fantastique du côté du Real. Je suivais ses premiers matchs avec attention. Et ces 2 premières années, on peut dire qu'on aura été gâté avec le Gallois, puisque dès sa première année même, le Real va gagner la fameuse décima. Bale, est-ce une réussite ou un échec du côté du Real? Je rappelle qu'il aura coûté quasiment 100 millions d'euros au club madrilène. 4 Ligues des Champions, décisive dans plusieurs finales. Je ne vais pas compter les trophées nationaux. Il aura marqué plus de 100 buts, 105 buts avec le Real en 218 apparitions. Donc ça fait quasiment un but tous les deux matchs. C'est monstrueux. 70 passes décisives, là aussi, ce n'est pas rien. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à retenir que le négatif chez le Gallois. C'est vrai que ces dernières saisons, il n'a pas montré l'exemple, qu'il n'a pas été concentré sur le foot. Il faut dire que sa relation avec Zidane était catastrophique. Les deux hommes ne pouvaient pas se voir, tout simplement. Alors que je disais tout à l'heure, Zidane était fan du Gallois lorsqu'il était à Tottenham. Comme quoi, les relations peuvent changer entre les hommes. Il était arrivé au Real pour être le successeur de Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez l'avait acheté pour ça. Parce que Ronaldo, à l'époque, avait 29 ans. Et Florentino Pérez, un homme d'affaires qu'il est, voulait acheter Bale tant qu'il était disponible. On savait que Manchester United, à l'époque, faisait le forcing pour avoir, entre guillemets, le nouveau Ryan Giggs. Et donc, à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, c'était, après Cristiano Ronaldo, mon deuxième joueur préféré, on va dire. J'adorais le Bale de Tottenham. Il était ultra complet. Chaque coup franc, ça faisait un but, notamment en C3. Bref, j'étais très content de son arrivée au Real. Première année, il offre, on va dire entre guillemets, la décima au Real. Finalement, le but le plus important, c'est Ramos. Mais on oublie que c'est quand même Gareth Bale qui offre le but du 2-1 contre l'Atlético en prolongation. Et la décima aura contribué aux victoires futures du Real Madrid. Parce que c'était vraiment cette décima. Le Real était omnibulé par ce trophée. Décima, décima. Chaque année, on n'entendait que ça du côté du Real. Et il y avait un blocage psychologique avec cette compétition. Dès lors que le Real a gagné cette fameuse décima, on connaît la suite. Ils ont gagné la 11e, la 12e et la 13e Ligue des Champions de l'histoire du Real. Bale aura également marqué ce fameux retourné stratosphérique contre Liverpool. Puis cette frappe de 30 mètres où Karius va se tromper. Donc un nouveau doublé en finale de Ligue des Champions. Donc l'aventure de Bale va se résumer de haut et de bas. Beaucoup de blessures pour le Gallois. Ça sera finalement le côté vraiment négatif de son séjour au Real Madrid. Alors qu'il n'avait pas de blessure du côté de Tottenham. Je pense qu'on peut lier ça au fait qu'il a pris beaucoup, beaucoup de muscles lorsqu'il est arrivé à Madrid. Et je pense que le fait qu'il ait été comme ça trop musclé a finalement fragilisé son corps. Le fait de prendre trop de muscles, des fois, ça enlève certains automatismes. On a vu que Cristiano Ronaldo, pareil, lorsqu'il a pris beaucoup de muscles au Real, est devenu beaucoup moins dribbleur, beaucoup moins adroit sur les coups de pied arrêtés. Et je pense que Bale, ça l'a impacté dans ses blessures. Et comment ne pas retenir également le but de Bale contre le Barça? C'est peut-être l'action qu'on retiendra de Bale lors de son passage au Real. C'est cette finalement accélération fulgurante où même Usain Bolt avait commenté où il contourne le Bartra en sortant du terrain, en re-rentrant et en allant offrir la Copa del Rey
au Real face à l'ennemi juré, le Barça, ça reste un joueur excellent qui, je pense, aurait mérité une meilleure carrière. Je pense qu'il s'est égaré via le golf, via le fait qu'il ne s'entendait pas avec Zidane. Il aurait dû faire une meilleure carrière que ça. Mais voilà, comme je vous le dis, j'ai pas envie de retenir les 18 derniers mois ou les 24 derniers mois de Bale. J'ai envie de retenir les 5 premières années. J'ai envie de retenir les 4 Ligues des Champions. J'ai envie de retenir les 105 buts et les 70 passes décisives avec le Real. Ça restera pour moi un passage réussi. Alors je sais, je suis peut-être pas objectif puisque certains vont dire qu'il n'était pas concentré sur le foot, qu'il a sali le Real Madrid. C'est vrai, la fin d'histoire est moche, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Maintenant, quid de Bale en Première Ligue? Je pense qu'il fait un très bon choix. Donc, il est prêté pour un an à Tottenham avec Mourinho. Mourinho fait un énorme coup en recrutant un joueur gratuitement, puisque bon, finalement, il va payer que le salaire. Mais il n'y aura pas d'indemnité de transfert, du moins je ne pense pas. C'est un joueur qui connaît donc le championnat par cœur, qui va revenir dans un pays qu'il affectionne, dans une équipe et un staff technique qu'il connaît plus ou moins, même si ça a changé entre temps. Et je pense que Bale va se retrouver chez lui. En Espagne, il n'a jamais parlé espagnol en 7 ans, il parlait toujours anglais, il n'a pas voulu s'intégrer finalement de façon logique au Real Madrid. En apprenant la langue, en faisant les soirées avec les joueurs, etc., il était toujours casanier, il restait chez lui, il ne voulait pas faire les soirées, il ne voulait pas apprendre l'espagnol. C'est un point noir de Bale. Il aurait dû apprendre l'espagnol, il aurait dû s'intégrer au Real Madrid et faire des efforts. Donc les torts sont partagés dans cette histoire. Pareil, je pense que Zidane n'a pas été clean tout le temps avec Gareth Bale. Mais voilà, je pense que Bale a encore une chance. Il n'est pas fini, il a que 30 ans. C'est un championnat qui, je pense, va lui correspondre mieux parce qu'on va dire qu'en Espagne, c'est beaucoup joué sur la technique. En Angleterre, sans faire de caricature, c'est plus sur la puissance, l'accélération, il y a beaucoup plus d'espace. Donc je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand même ce qu'il va donner avec Tottenham. Le Real, de son côté, va économiser 15 millions d'euros à l'année, plus Rames. C'était les deux volontés de Zidane, se débarrasser de Bale et de Rames. C'est désormais chose faite. Il manque, je crois, Mariano. C'est la fin d'une histoire, je pense, parce que Bale ne reportera pas le maillot du Real Madrid, du moins je ne le pense pas. Chacun retiendra ce qu'il voudra du Gallois. J'ai envie de retenir le positif, j'ai envie de retenir les 4 Ligues des Champions, les buts, les performances dans les matchs importants. Certains ne retiendront que finalement l'attitude désinvolte qu'il a eue avec le fameux Pays de Galles, Golf et Real Madrid. Chacun verra ce qu'il souhaite. Moi je retiens le positif. Bon vent à toi Gareth, j'espère qu'il va réussir du côté de Tottenham, qu'il va relever le Tottenham de Mourinho. Donnez-moi votre avis sur ce transfert, a-t-il encore un avenir? Peut-il rebondir à Tottenham? J'attends vos avis avec impatience. Je vous invite également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous et à demain. Ciao.